Finalement, la bataille de Rufisque entre le cortège d'Abdoulaye Wade, de passage lors de son périple entre l'AIBD et Dakar, et la caravane du ministre Oumar Guèye n'aura pas lieu. Pour cause, la Wade promenade est passée par là. Un raz-de-marée emportant sur son chemin des militants acquis à la cause d'Abdoulaye Wade, si nostalgique d'une part. Et d'autre part, mis sur le côté, la caravane d'Oumar Guèye, confinée devant le siège de Doudou Maï pour laisser passer ce long cortège jaune et bleu accompagnant le président déchu Abdoulaye Wade. Il a fallu pour cela la diligence du préfet Aboubacar Kane, qui a fait des pieds et des mains pour que la caravane de Oumar Guèye se range sur le côté. Ce qu'ils ont déjà refusé un moment, arguant être dans une campagne électorale. Il a fallu même un coup de fil du président de la République Macky Sall pour que Oumar Guèye et sa horde se rangent sur le bas-côté. Chef de l'État ne l'a fait ici au Sénégal. C'est une première. Vive le président Macky Sall. Nos oreilles déployées dans les rangs de Benobok Yakar et qui accompagnaient ce cortège nous révèlent que c'était un coup foiré préparé depuis l'annonce du retour de Wade au Sénégal pour la campagne. Mais c'était sans compter avec les militants libéraux plus que dévoués à la cause d'Abdoulaye Wade, qui du reste n'est même pas un candidat pour la présidentielle, son fils encore moins. Alors, qu'est-ce qui explique cet élan de sympathie qui ne semble s'estomper d'un iota pour Abdoulaye Wade après de longues années d'absence dans le pays?